Hey, aujourd'hui ça joue physique et en plus sur des chevaux. Alors fais tes lacets et attrape tes rênes, c'est parti. Les premières apparitions du horseball inspiré du bateau argentin arrivent en France en 1936 par le capitaine Clavé. En 1978, les règles officielles sont dictées et le premier championnat de France a lieu en 1979. Et en 1992, le premier championnat d'Europe voit le jour. Pour ce qui est des règles, le horseball se joue à 4 contre 4 sur un terrain de 70 mètres par 3. L'objectif est d'envoyer la balle à travers l'anneau adverse. Pour qu'un point soit validé, le ballon doit obligatoirement passer par 3 membres de l'équipe. À l'issue des demi-temps de 10 minutes, l'équipe qui a le plus de points remporte la rencontre. On grimpe sur les montures, c'est parti! Alors je suis avec Morgane de l'équipe de horseball de Mazerolles. Ça fait combien de temps que tu as commencé le horseball? C'est la deuxième année, mais ça fait un peu plus de 10 ans que je joue à cheval. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce sport? C'est d'avoir dans un sport de base individuel, même en couple avec son cheval, avoir un sport d'équipe. C'est un sport où de la hargne, parce que je dirais, du contact, un peu comme le hand, mais il y a aussi de la technique comme du basket. Et donc ça, c'est vraiment un ralliement de tous ces sports qui fait que c'est le pied à jouer. Ça demande des compétences particulières vis-à-vis du cheval, le fait qu'on soit plusieurs chevaux sur le même terrain. En fait, on va dire que le cheval il peut être froid dans sa tête. Ça veut dire aimer être en troupeau, aimer être en contact, que ça ne gêne pas. Ne pas paniquer finalement au moindre contact. Tu auras un petit mot pour inciter les gens à venir? C'est un sport qui est un peu différent de la pratique classique de l'équitation. Donc, c'est vraiment un sport qui a vraiment de l'avenir et c'est sympa à jouer, c'est un sport d'équipe, ça apprend beaucoup de valeurs, notamment le fair play. Même pour commencer l'équitation, commencer par le horseball, c'est possible. Pas besoin d'avoir galop 7 à 4 ans. Le horseball t'a plu et tu veux te lancer? Je te facilite la vie, je te mets toutes les infos dans la description. Et surtout, si ce sport t'a plu, n'hésite pas à laisser un gros pouce sous la vidéo. Quant à moi, je t'invite à t'abonner Facebook, YouTube ou Twitter pour ne pas rater les prochains épisodes. Et toi, c'est quoi ton sport? Ciao!